solo un suspiro que nos asegure el alma. Que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Florencia! Pardon de vous avoir interrompu. Mais je crois que le mieux, c'est qu'Enrique t'accompagne à Mexico pour que tu finisses de te rétablir. Damien, je te jure que je peux t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Pour moi, tout est très clair. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi bête pour croire que tu m'aimais vraiment. Et encore plus bête pour m'être senti coupable quand j'ai voulu en finir avec toi. Non, écoute, Damien, Florencia ne t'a jamais menti. Non, écoute, Damien. Tais-toi, baissé. Je n'ai rien à te dire. Damien. À toi non plus, Florencia. À toi non plus. Florencia, je t'en prie, pardonne-moi, je voulais Enrique, pas en arriver là. Laisse-moi en paix. Damien. Damien. Damien, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. Damien, s'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer, s'il te plaît. Je sais parfaitement ce que j'ai vu. Je ne suis pas aveugle. S'il te plaît, tu te fais de fausses idées. S'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer. Ça s'est passé comment? Enrique m'a embrassé de force. Ah, s'il te plaît. S'il te plaît. Je crois plutôt que les choses se sont passées exactement à l'inverse. Non, s'il te plaît, je te supplie de me croire. Il est arrivé, il a dit qu'il voulait me dire au revoir et il m'a même remercié. Je ne savais pas quoi lui dire, s'il te plaît, je ne savais pas quoi Tais-toi, faire. Tais-toi, s'il te plaît. Essaie au moins de trouver quelque chose d'un peu plus crédible. Je ne te crois plus et je crois même que tu m'as menti quand tu me disais que tu ne pouvais plus bouger les jambes. Alors là, ça, si, c'est vrai. Je suis tombée de ton cheval et je me suis fait mal. Je me suis blessée alors, la colonne et tout. Alors, explique-moi, si tu prétendais que tu ne pouvais pas marcher du tout hier, pourquoi il y a un instant, tu n'as eu aucun mal à me courir après? Damien, je te jure... S'il te plaît, ne me jure rien. Et je t'informe tout de suite que je viens de parler avec Kenya. Je sais comment, tu as tout préparé pour que le test de grossesse que tu as fait en face d'Elisa soit positif, hein? Damien, je te jure que je n'inventerai jamais... C'était une idée à toi. C'est toi qui n'as pas de limite pour me tromper, pour mentir. Tu ne me verras plus jamais, Florencia. C'est définitivement fini entre nous et naturellement, tu dégages d'ici aujourd'hui même. Je ne veux plus te revoir. Jamais de la vie. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Demande-le-lui. Demande-le-lui. Et c'est pour ça que tu m'as fait sortir du salon, Enrique? Mais tu aurais pu me le dire par téléphone. T'as bien entendu ce que je t'ai dit? Florencia ne me pardonnera jamais pour ce que je lui ai fait. Qui sait? Maintenant que Damien l'a envoyé balader, elle va enfin te regarder. Mais tu rigoles ou quoi, Sabrina? Je t'en raconte même pas dans quel état elle s'est mise quand Damien nous a surpris tout à l'heure. En plus, je suis loin d'avoir autant d'argent que les Arengo. Les enfants, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-là? Oh, mon petit Enrique, tu m'as dit que tu faisais l'après-midi aujourd'hui, mon garçon. Maman, je ne vais plus jamais retourner dans cette usine. Mon travail là-bas est terminé. Mais pourquoi ça? Mais tu ne m'avais pas dit que tu étais satisfait de ton nouveau poste? Ça n'a plus d'importance. Et puis, de toute façon, Damien va me renvoyer. Mais pourquoi il ferait ça? Ne me dis pas que tu as encore eu des problèmes avec lui. Bon, eh bien moi, je dois y aller parce que je dois aller au salon. J'y vais, à tout à l'heure. Oui, mon père. Bon, allez, maman, assieds-toi. Je vais tout te raconter parce que... De toute façon, tu finiras bien par le savoir. Et si c'est pas Madame Alfonsina qui te le dit, tu l'apprendras autrement. Et puis j'aime autant que ce soit moi qui te le dise. Écoute, en fait, le truc, c'est que... Mm-hmm. Eh bien, Damien m'a... Il m'a vu embrasser Florencia. Oh non, Enrique! Comment tu as osé faire une chose pareille? Mais enfin, où as-tu la tête, Florencia? Pourquoi est-ce que tu as embrassé ce garçon? Je suis bête, papa. C'est entièrement de ma faute.
J'ai commencé à fréquenter Enrique pour rendre Damien jaloux. J'ai fini par me prendre à mon propre jeu, papa. Mais voyons, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que tu es intéressée par ce Enrique en question? Non. Tout ce que je sais, c'est que Damien n'en a plus rien à faire de moi. Notre promesse de mariage est terminée maintenant. Tu as raison. Tu es vraiment stupide. Papa, s'il te plaît, ne me fais pas culpabiliser davantage. En tant que père, tu devrais être censé m'appuyer au lieu de me gronder. Ne me demande pas de t'appuyer là-dessus, parce que je ne peux pas. En plus, tu sais quoi? Damien a eu raison de t'envoyer au diable, parce que c'est précisément ce que tu mérites. Qu'est-ce que ça veut dire, Damien? Ça ne se voit pas? Je ne pars plus à Mexico, maman. Mais tu dois m'expliquer ce qui s'est passé. Florencia n'a rien voulu me dire et je suis ta mère. J'estime avoir le droit de savoir. D'accord, je vais te le dire. Florencia a profité que Kenya soit enceinte pour utiliser un de ses tests et me faire croire qu'on attendait un enfant. Comment de... Mais enfin, d'où est-ce que tu sors ça? C'est Kenya elle-même qui me l'a dit, alors ne prends pas la peine de défendre Florencia. Quand est-ce que tu as parlé à cette fille, Damien? Quand et où l'as-tu vue? Parce que Kenya m'a dit qu'elle quittait la Ermita. Kenya est ici, maman. Elle est aujourd'hui à la Ermita. Bon, Damien, je crois que... Écoute, mon chéri, tu exagères. Et si Florencia a fait ça, c'est qu'elle avait sans doute de bonnes raisons pour le faire. Et en plus, ce n'est pas tout. Je viens de la surprendre aux écuries en train de faire un baiser torride à Enrique Tobar. Mais... Non, ce n'est pas possible. Non, il doit y avoir une erreur. Bon, mais toi et Florencia, vous me prenez pour un idiot, n'est-ce pas? Chérie... J'étais sûr que tu étais également au courant de ce qu'il y avait entre eux. Non, bien sûr que non. Tu vas aussi me dire que tu ne savais rien au sujet du faux test de grossesse? D'accord. Ne me réponds pas. De toute manière, j'ai découvert que tu as toujours été complice de Florencia pendant tout ce temps. Tout ce que tu vois ici, tous ces champs devant toi sont des champs de piments à bagneros, absolument tous. Et on consacre notre temps, attention où tu marches, à les cultiver avec grand soin. Comme ça, très minutieusement, on les coupe un par un pour ne pas abîmer la plante, pour qu'elle redonne du piment comme pour... Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est que tu devrais voir ta tête quand tu parles avec tant de passion de tes cultures. Et puis c'est incroyable l'amour que tu as pour ces champs, c'est fou. Ah. Gaël, tu me pardonnes? Ce n'est pas moi de te pardonner. Écoute, je te propose un marché. Pourquoi tu ne me présentes pas Elisa et je lui présente moi-même des excuses, hein? S'il te plaît. Gaël? On peut savoir qui est la demoiselle? Bonjour, moi c'est Kenya. Kenya? Je suppose que vous devez être le chef de Gaël, c'est ça? Oh, oui. S'il vous plaît, ne le grondez pas. Hein? Il est arrivé en retard parce qu'il est gentiment venu m'aider. J'ai eu un souci avec ma voiture, elle a crevé et on a dû la laisser en plein milieu de la route pour un problème de batterie, n'est-ce pas? C'est exact. Mince. Enchanté, je suis Augusto Castagnone. Castagnone? Vous êtes le papa d'Elisa? J'étais justement en train de dire à Gaël que je mourrais d'envie de la connaître. Et j'ai une idée, dis donc. Pourquoi vous ne nous invitez pas à dîner ce soir chez vous? Hein? Bien. Bon, oui, d'accord. Gaël, garde les clés de ma camionnette et emmène la demoiselle récupérer sa voiture. Et vous lui mettez un petit coup De charge. De charge à la voiture, enfin, oui, à la batterie. Oui, de charge. Et je vous attends ce soir pour dîner. Parfait, c'est noté, hein? Gaël, je t'attends ici, d'accord? J'irai bien faire un petit tour pour mieux connaître les environs. Je peux? Bien sûr. Et n'oublie pas ce que tu dois me raconter au sujet de ta mère, hein? Oui, ça m'intéresserait beaucoup que tu me dises comment tu as pu savoir avant moi qu'Ingrid Navarro était ma mère naturelle. Bon, on parlera de ça tout à l'heure. Ah! Merci pour tout! À tout à l'heure, et merci de nous prêter la camionnette! Tu peux me dire de quoi vous parliez? C'est que je viens d'apprendre il y a quelques jours que ma mère est en vie. Je trouve ça intolérable que tu puisses douter de moi de cette façon. De moi qui suis ta mère. Florencia a fait semblant de ne pas pouvoir marcher devant tout le monde et toi, tu le savais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu le sais. J'ai été voir le docteur Tovar. Il m'a dit que tu as amené les radios de Florencia à un spécialiste à Mérida que lui-même t'a recommandé. C'est vrai, en effet. Oui, j'ai apporté ces radiographies au docteur. Et le spécialiste m'a dit qu'il n'y avait aucune raison pour que Florencia ne puisse pas marcher. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Damien, si elle assurait le contraire? Et alors, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi toujours se taire? Je ne te l'ai pas dit, parce que je ne voulais pas que tu penses que c'était dans le seul but de te monter contre Florencia.
Et encore moins que tu me soupçonnes de manigancer quelque chose pour ne pas que tu partes à Mexico. Je ne te crois plus, maman. Dieu seul sait combien d'autres choses encore tu m'auras cachées. Je ne peux pas croire que tu veuilles me culpabiliser de tes problèmes de couple avec Florencia. Je ne te culpabilise de rien. Je veux juste que tu saches, je n'ai plus confiance en toi, maman. Je n'ai plus confiance en personne. Vous êtes sûr, monsieur Augusto? Le nom d'Ingrid Navarro ne vous dit vraiment rien? Vous ne la connaissez pas? Mais bien non, ce nom ne me dit rien. C'est dommage. Sinon, eh bien, vous auriez pu m'aider à savoir qui était mon père. Eh bien, je te répète, Gaël, ce nom ne me dit rien, mais je la connais peut-être personnellement. Bon, peu importe, ça remonte à bien trop longtemps, monsieur Augusto. Je suis absolument sûr que mon père n'est plus de ce monde. Tu sais que tu as mon soutien, hein? Et je suis très content que tu nous accompagnes dîner ce soir à la maison. Et avec Kenya aussi, n'est-ce pas, naturellement. Quel miracle de te voir dans la maison de Dieu. Bien, et je peux t'aider à quelque chose? Je suis venu discuter avec vous. J'ai appris par Paloma que la mère de Gaël était arrivée au village et je voulais vous demander si c'était vrai ou si les rumeurs rapportées à ma petite fille sont fausses. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais bon, assieds-toi, s'il te plaît. Je peux m'asseoir? Oui, assieds-toi. Bien. Et pourquoi es-tu intéressée de le savoir, dis-moi? Oh ça, parce que, pour être sincère, ça m'a beaucoup surprise. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Ah, non, ne me dis pas que... que ta légendaire intuition ne va pas jusque-là. Vous voyez bien que non. Et on est tous surpris de voir tout à coup ressusciter les morts, pas vrai? Mais tu n'es pas là parce que tu es surprise, hein? Mais parce que quelque chose te préoccupe. Je me trompe? Tu as peur que quelque chose de semblable arrive à Paloma. Et que ce maudit Gabino se décide tout d'un coup à lui dire qu'il est son père. Ça, je vous l'avoue, mon père. Je ne crois pas que ce misérable le lui dira un jour, car il ne s'est jamais intéressé à elle, vous le savez très bien. Mais j'ai peur qu'elle la prenne d'une manière ou d'une autre. Eh bien, tu devras en parler avec elle une bonne fois pour toutes. Ramona, ou au moins prépare-la doucement, pour qu'un beau jour, tu puisses le lui dire, toi. Mais voyons, à quoi ça lui sert d'apprendre que son père est un odieux personnage, dites-moi. Eh bien, de toute manière, je pense qu'elle a le droit de le savoir. Ramona, quoi? S'il te plaît, je te conseille plutôt de lui dire toi. Écoute, comme ça tu éviteras peut-être les réclamations et les ressentiments que va naturellement et logiquement éprouver ta petite fille. Et crois-moi, Ramona, je sais très bien de quoi je parle. Dolores! Dolores! Assieds-toi. Dites-moi, monsieur Augusto. Prépare donc deux couverts. Gaël nous fait le plaisir de rester dîner avec nous. Ah, avec plaisir. Et pourquoi deux? C'est parce qu'en fait, une amie à moi vient dîner aussi. Oh, c'est très bien. Bon, je termine juste la cuisine et je prépare une jolie table. Excusez-moi. Merci. Tu lui as bien donné l'adresse à ton amie. Oui, Augusto. Assieds-toi. Merci. Et on a récupéré sa voiture, elle est juste partie se changer à l'hôtel. Ah. Gaël? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Je l'ai invité à dîner. Papa, au fait, ma tante s'est blessée à la cheville et ça a l'air très grave, elle a des béquilles. Je vais me doucher et me changer, je reviens. Dis, c'est bizarre qu'il t'ait invité. Tant d'années à travailler pour lui et c'est la première fois qu'il t'invite à manger à la maison. Oui, hein? Maru, pourquoi fermes-tu le bureau de Damien à clé? Inutile de le laisser ouvert si personne ne va plus l'occuper, non? Je ne comprends pas. Damien ne va plus être chargé de l'usine à présent. Je pensais que tu le savais. Comment? Non!
Tu es en train de me l'apprendre ? Et pourquoi ? Parce qu'il part vivre à Mexico. C'est bizarre que Gabino ne t'ait rien dit. Eh ben non. Il ne m'a rien dit. Bonne soirée. Bonsoir. Ingrid, tu pars maintenant ? Exactement. Non, attends une seconde, je pars avec toi, je prends mes affaires là. Non, excuse-moi, je ne peux pas t'attendre. Ingrid. Raconte-moi comment tu vas. Comment ça va avec... avec ta mère? Je ne peux pas te cacher que je suis un peu perdue, ma belle. Mais bon, ça va passer. Enfin, il faut espérer que ça passe, mais je ne crois pas qu'une chose comme ça va me changer la vie. Finalement, cette femme ne signifie rien pour moi. Tu as parlé avec le père Loupé, vous avez pu arranger les choses? Ah, oui, oui, avec le père, tout va bien. Tu sais, je lui dois beaucoup. C'est grâce à lui que je suis devenue ce que je suis. Non, je ne peux pas mal me conduire avec lui, ce ne serait pas juste. Ça me fait très plaisir que tu penses ça, Gaël. Je vais te dire une chose. Enfin, ça peut te paraître ridicule, mais... j'étais vraiment ravi que tu sois là quand j'ai appris que cette femme était ma mère. Tu signifies beaucoup pour moi et... j'aime beaucoup partager tout ce qui me concerne, pouvoir échanger... Eh bien, avec toi, ma belle. Même en cas de problème. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Tout le temps. Et que je vais t'aider et t'appuyer dans tout ce que je pourrai. L'autre jour, je discutais avec Damien et tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que je devais me battre pour toi. Il t'a dit ça? C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit aussi que je ne devais pas m'avouer vaincue. Et je crois qu'il a raison. Parce qu'il n'y a aucune raison que je me contente d'être uniquement ton ami. Je sais qu'un jour, tu vas me correspondre. S'il vous plaît, allez-vous-en, vous n'avez pas à être ici. Mais bien sûr que je peux être ici. Antonia, appelle Brolio pour sortir cette femme. Madame Brolio n'est pas là. Il a dû rester à l'entreprise un peu plus tard, mais si vous voulez, je vais parler à votre fils. Oui, oui, appelez-le. Dites à Damien de venir, je veux lui parler, justement. Mais bonsoir, Damien. Ingrid. Est-ce que tu connais cette femme? Mais bien sûr. Elle travaille à l'entreprise. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Damien, j'ai besoin de te parler d'un sujet très important. Il s'agit de mon fils. D'un bébé que j'ai dû abandonner il y a de cela très longtemps, à l'église de la Ermita. Gaël. C'est exactement ça. Gaël est mon fils. Et ça va sûrement te surprendre encore plus quand je te dirai qui était son père. Madame, je pense qu'il serait plus prudent que nous parlions ensemble d'abord. Excusez-moi, mais je ne veux traiter ce sujet qu'avec votre fils. Damien, je suis venue te voir, j'ai su que tu partais à Mexico, et je dois absolument te parler. Oui, bon, en fait, je viens d'annuler mon voyage, mais aucune importance. Je n'arrive toujours pas à croire que vous soyez la mère de Gaël. Est-ce qu'on peut se parler seul à seul? Maman, tu permets? Madame, je vous assure qu'aussi bien mon fils que moi sommes tout à fait disposés à vous aider en cas de nécessité. Et Gaël, il le sait? C'est-à-dire, il sait que vous êtes sa maman? Oui. Mais il ne veut rien savoir de moi. Et je le comprends. Vraiment, oui. Ah, Damien, j'ai tout essayé, tout pour me rapprocher de lui, et je n'ai pas pu. C'est pour ça que je me suis permise de venir ici dans ta propriété pour te supplier de m'aider à me rapprocher de Gaël. C'est que je suis désespérée, et je t'en supplie, aide-moi, Damien. Et dites-moi quelque chose. Le papa de Gaël, vous venez de m'expliquer que j'allais être surpris de savoir qui c'était. Je le connais? Il vit toujours à la Ermita.
Le nom du père de Gaël est très connu. Très aimé par tous les gens de la Ermita. Donc, je préfère ne rien dire. J'ai juré de me taire à jamais et c'est mieux pour tous, surtout pour Gaël. C'est mieux comme ça. Je préfère tenir cette promesse.